Bon. Mais toujours ce problème de gestion émotionnelle, incapacité à gérer ce genre de match. Je le répéterai jusqu'à la fin de la saison. Incapacité à gérer émotionnellement ces matchs couperets, incapacité à gérer mentalement, être incapacité à gérer l'imprévu. C'est voilà, ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, que dès qu'on domine un match, dès qu'on gagne, on a peur. On joue le score, en fait. Et on se fait dessus. Et on ne sait pas le faire. Et on ne sait pas garder un score. À chaque fois, on se prend un but bidon à la dernière minute. Comparé avec l'équipe de France de Deschamps. Il y en a un qui va dessus, c'est Unai, hein, puisque les gens dans l'évaluation. Comparé avec l'équipe de France de Deschamps, qui a une capacité à gérer les résultats. Ouais. À l'inverse, on sait le faire en France, ça. C'est exactement l'inverse, ça, qu'il y a une capacité. Tu ne paniques pas dans les moments difficiles. Les Espagnols, ils disent dormir el partido, c'est arrêter le match, le faire dormir, l'endormir, faire des fautes, arrêter le rythme du match. On ne sait pas le faire. Dans les dernières minutes, par exemple, on arrive à garder le ballon avec un rythme au fond, et après, tu te prends. Mais on le fait dans les dernières minutes, parce que on laisse. Tu vois ce que là où ils sont très forts les Italiens, ce que fait très bien Deschamps, ce que font aussi à l'époque Zidane, c'est-à-dire c'est d'être capacité à dès l'instant où tu mènes, où tu veux gouverner le rythme du match. Il y a deux manières de gouverner un match sur le rythme, soit par le ballon, soit par le temps du match. Donc quand t'as pas le ballon, le seul moyen de gouverner le match, c'est de casser tout dès que t'as un enchaînement, empêcher que le match démarre. Et c'est comme ça que tu dors le match. Mais ça demande une gestion de tous les instants. C'est pas juste il reste 10 minutes, on va gérer. C'est ce qui se passe là. Il reste 20 minutes, il faut qu'on tienne. Alors on va se mettre derrière. Un boulet dans ce match, par ailleurs, c'est Guendouzi. Bah bien sûr. Le mec qui provoque le péno, il rate son tir au but. C'est voilà. Non mais en plus Guendouzi, ce que tu vois ce soir qui est terrifiant, c'est un joueur absolument pas en confiance. C'est-à-dire c'est l'opposé du Guendouzi que l'OM a aimé. Pourquoi ils l'ont tant aimé? Parce que c'est quand même pas le plus grand joueur du monde. C'est pas ni techniquement ni bon bref. Mais c'est l'argne. Et quand il a plus l'argne, c'est une catastrophe. Et comment tu peux lancer? Enfin comment tu peux? C'est trop facile à dire après coup, mais tu lances un mec dont tu as ruiné la confiance. Dans un match de cette importance où le mental surtout va avoir de l'importance, c'est là où c'est une erreur de casting dans ce match. Guendouzi. On n'a pas de préparateur mental. On n'a pas de préparateur de coup de pied arrêté. On n'a pas de préparateur mental dans les deux. Tiens, d'ailleurs, j'ai la stat. Vous savez la dernière fois qu'un club français a gagné une séance de tir au but? Alors. En C1, écoutez-moi bien. Bordeaux est le seul club français à s'être imposé lors d'une séance de tir au but. C'était contre Dniepropetrovsk le 20 mars 85. Après, il n'y en a plus. En C1. Oui, mais il n'y en a plus des masses. Parce que tu sais qu'avec la règle du but à l'extérieur, c'est très rare en fait. Oui. Les séances de tir au but en Coupe d'Europe, et particulièrement pour les clubs français qui ne vont pas très loin en général. Donc.